Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette masterclass Up Together. Est-ce que vous nous entendez bien? Auriez-vous la gentillesse de le mettre dans le chat, s'il vous plaît, pour être sûr que tout est OK? Salut tout le monde. Ouais, on vous entend bien. Bon, ben Bonjour tout nickel. le monde. Bonjour Florence. Bonjour Grégoire. Je suis Grégoire Even, je suis le cofondateur d'Up Together. Je suis ravi, sincèrement, de vous accueillir pour cette deuxième masterclass de l'année, qui a pour thème comment communiquer sereinement et avec et efficacité auprès de son équipe. Elle a été conçue par Florence Marty pour la communauté Up Together et vraiment je l'en remercie parce que c'est vrai qu'en ces temps de travail hybride et de transformation des organisations et aussi des individus, c'est un sujet qui a été très fortement plébiscité en fin d'année par les managers de la communauté Up Together dans nos ateliers de coaching collaboratif. Et ce matin, vous êtes près de 500 inscrits qui vont suivre en direct ou en replay la masterclass, ce qui est beaucoup pour une masterclass. Donc, c'est un sujet fortement d'actualité. Peut-être en deux mots pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas le coaching collaboratif. Up Together, nous, on est une startup RH et notre mission, c'est d'améliorer la collaboration et la qualité relationnelle au sein des entreprises et des organisations. Et en ça, pour ce faire, on a développé un nouveau format d'apprentissage qui s'appelle du coaching collaboratif où concrètement, on réunit des managers par groupe de 8 et en visio. Ils se coachent les uns les autres sur leurs problématiques au quotidien. Et l'idée, c'est vraiment de développer ces compétences de manager-coach et surtout de développer l'autonomie pour qu'ils trouvent en interne des solutions aux défis qui les attendent. Voilà, comme ça, vous voyez un peu d'où sortent ces sujets et qui est Up Together. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Florence. C'est une référence des sujets RH en France. J'en veux pour preuve le succès de son dernier ouvrage qui est sorti. Le mois dernier, qui s'appelle Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Elle a une grosse actu, donc merci d'être là ce matin parce qu'il y a eu beaucoup de préparation et le temps de présence. Donc vraiment, encore merci Florence. Et au-delà de son expertise, nous, ce qu'on adore dans l'équipe Up Together chez Florence, c'est qu'elle bouscule les codes du monde des ressources humaines. Et par sa pertinence et par sa bonne humeur, vous allez le voir aujourd'hui, avec laquelle elle partage sur des sujets RH parfois complexes et difficiles. Et ça, vraiment, on aime bien ce ton et cette manière d'aborder les choses. Alors, merci encore d'être là avec nous. Avant de lui passer la parole, je vous rappelle que cette masterclass est interactive. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans l'onglet questions. On les prendra au fil de l'eau pendant cette masterclass qui va durer jusqu'à 12h45. Et pour ceux qui le souhaiteraient, je vais aussi pousser dans le petit onglet sondage, ceux qui souhaitent participer à des ateliers de coaching collaboratif découverte pour voir à quoi ça ressemble. Alors, il y a beaucoup de demandes en ce moment, donc on privilégie les RH, les décideurs RH et les managers qui souhaitent tester le format. Voilà, donc veuillez nous en excuser, n'hésitez pas à vous inscrire, mais on vous invitera peut-être dans quelques semaines, puisque là, il y a des fortes demandes. Florence, peut-être. Je te laisse te présenter et puis je te laisse la parole pour ta masterclass et j'envoie ton support. Ok, super. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être là. Merci pour l'invitation. Voilà, je suis très touchée de voir autant de monde. Ma présentation, on va faire. Alors, je vais essayer juste de prendre la main. Voilà. Bon, ça, c'est effectivement l'actualité dont je suis le plus fière. Aujourd'hui, c'est le livre qu'on a coécrit avec Laurence Tétrel et Christelle de Foucault, donc Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction, qui est un livre sur la marque employeur à destination des entreprises, des RH, des managers, des collaborateurs aussi, et même finalement des demandeurs d'emploi. Je pense que c'est assez surprenant, mais on a quand même de bons retours aussi de cette population parce que ça donne des. Je vois vos messages, merci pour les messages. Il ne faut pas que je lise trop le chat. On a en fait, c'est un livre sur l'entreprise qui donne des outils pratiques pour les entreprises pour bien positionner finalement leur marque employeur, devenir des employeurs marquants, des employeurs de marque. Et voilà, c'est un livre dont je suis évidemment fière. Et puis l'autre actualité, c'est qu'avec Christelle de Foucault, on est en train de monter à la conférence Marque employeur, même pas peur. Voilà, pour le reste, je fais de la formation et j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Et je crois que ce n'est pas la peine d'en dire davantage. Et je vous propose de commencer. Si ça te va.
Grégoire, tu me dis, hein. C'est parti. Et puis, alors, je ne sais pas si tu m'as fait de l'eau, Florence, et je peux les Ok. Allez. Voilà. On fait les questions au fil de l'eau. Ça marche. On est entre nous. Alors, j'avais fait un post un peu audacieux sur LinkedIn en disant que il y aurait au moins un tips pour chacun, pour que chacun reparte avec quelque chose. Et finalement, dès le premier slide, peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose. Pour monter cette masterclass et globalement dans mes formations, je me base sur l'école Palo Alto, toutes les théories sur l'analyse transactionnelle, la communication non violente de Rosenberg, Eric Berne, tout ça. Toute cette école-là, finalement, qui a démocratisé la communication dans les entreprises, mais aussi la communication interpersonnelle. Hein, globalement, c'est pas que pour l'entreprise, c'est pas que pour les managers. Évidemment, la communication, c'est pour tout le monde, y compris en famille. Servez-vous de tout ce qu'on va voir aujourd'hui et de ce que vous voyez ailleurs pour développer une belle communication aussi avec vos proches. Je pense que c'est important. Il faut savoir que toute cette communication qu'on peut appeler la communication assertive, la communication positive, non violente, appelez ça un peu comme vous voulez, elle ne fonctionne pas avec les gens qui sont en difficulté communicationnelle. Donc, on ne va pas, on va réserver en fait tous les principes qu'on va voir à une communication dite, on va dire classique, d'accord ? Les situations d'exception, ça va être peut-être des personnes en situation de handicap. Je pense par exemple à ma fille qui est sourde. On va aller adapter sa communication. On ne va pas faire la même chose. On va, par exemple, je vais beaucoup privilégier l'oral dans la communication. Bah, quelqu'un qui est sourd, évidemment, on va faire attention de privilégier l'écrit, hein, ne serait-ce que ça. Les personnes en situation, les personnes qui ont un trouble, on peut rencontrer des personnes qui ont des difficultés qui peuvent être passagères ou structurelles hein, dans l'entreprise. Je pense par exemple des personnes qui sont en deuil, des personnes qui ont un état un peu déprimé. On va faire attention, on va adapter sa communication et on ne va pas forcément appliquer les mêmes principes. Et puis, ce slide-là, il est surtout pour les personnalités toxiques. Les personnalités toxiques, et on va pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on ne s'ouvre pas aux personnalités toxiques. Voilà, les personnalités toxiques qu'on identifie comme étant malveillantes par rapport à soi, à tort ou à raison, la question n'est pas là, on s'en moque, la question n'est pas de faire de la psychologie, quoi que ce soit. Si on pense que quelqu'un nous vaut du mal, eh bien, on lui en dit le moins possible sur soi, ce qu'on ressent, etc. Et la stratégie n'est pas de rentrer dans une hyper-communication, mais plutôt d'être dans une communication raisonnée quand on a quelqu'un qu'on estime être toxique en face de soi. Voilà, je ferme la parenthèse et maintenant pour toutes les premier situations... Premier conseil de notre mentor. Voilà, premier... le premier conseil, effectivement, c'est celui-là. Donc, ça commence effectivement un peu fort. Alors, je crois que tu as préparé sondage. Un sondage. Voilà, il y a deux questions de sondage. Je voudrais savoir... pour vous faire participer, qui a rencontré une difficulté de communication depuis le début de la semaine. Alors, une difficulté... Alors vous allez dans l'onglet sondage et vous répondez. Alors, je vois, et les seniors, quand même, et ben, les seniors de deux choses l'une. Hein. Soit on a en face de nous des personnes qui sont peut-être certes seniors, mais en pleine possession de leurs moyens. Mais effectivement, hein, quand je parle de troubles, on peut imaginer un trouble de type Alzheimer, par exemple. Bah, évidemment, on ne va pas avoir du tout la même communication. Hein. C'est une très bonne remarque et ça de développement, bien sûr. Ce qu'on va dire ici, on va pouvoir s'en servir, évidemment, mais on va toujours adapter. Hein. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout l'objet de la communication, de ce qu'on va voir dans la masterclass. Résultat oui. du sondage, oui. difficulté depuis le début de la semaine, on est à 75% de oui. Bon, voilà, donc ça, c'est, donc, ça, c'est OK. 1,4% de non, donc c'est plutôt chouette. OK, gens... et bien maintenant, on va faire depuis le début de l'année, si tu veux bien. Donc, les difficultés okay. en communication, c'est douter de quelqu'un, avoir l'impression qu'on est en train de lui mentir, c'est une information qu'on n'a pas bien compris et qui a nécessité qu'on en reparle, ce sont des quiproquos, des malentendus, le fait de devoir se répéter. Voilà. Alors, il est parti. Et là, on est à... 97%, ça monte à 98% de oui.
Donc, il y a quand même deux personnes qui n'ont pas eu de problème de communication. Soit ils travaillent tout seuls, c'est soit possible. C'est des hyper bons communicants. C'est tu possible. Nous expliquer ça. C'est possible aussi. Oh ben non, ça, je ne peux pas savoir, ces deux personnes-là, dans quelle situation elles se trouvent, ou elles se sont trompées. Hein, elles voulaient répondre oui, elles en répondent non, ou inversement. Bon, donc, tout ça pour dire qu'on est à 96%. Là. Bon, tout ça pour dire qu'on est tous d'accord pour dire que finalement, la communication, c'est le sujet, finalement, en entreprise. Et mon objectif aujourd'hui, il est clair, donc là, il ne me reste plus qu'une heure, c'est que chacun d'entre vous reparte avec au moins une action à mettre en place pour tout de suite mieux communiquer les 25 prochaines années. Et je crois que si je réussis à ne serait-ce que de faire changer une toute petite chose chez tout le monde, eh bien, je crois que le pari sera déjà tenu et que cette masterclass, elle aura servi à quelque chose. Ça pourrait être sympa d'ailleurs qu'on leur demande en fin de masterclass que chacun partage mais oui. Le truc qu'on va mettre en place dès cet après-midi. Voilà, c'était pas préparé du tout. Mais on le lance dans le chat à la fin de la masterclass. Préparez le truc que vous mettrez en place dès cet après-midi. Voilà, et s'il y en a un, tu peux peut-être faire un sondage. Est-ce que tout le monde repart bien avec une chose effectivement à faire dès tout de suite. Alors, yes. Parler et communiquer, c'est important en fait de se dire est-ce qu'il y a une différence, d'aller chercher finalement cette différence-là. Quand on est jeune, on nous apprend à parler et on croit que parler et communiquer, c'est la même chose. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur et notamment dans ce que l'école nous apprend en fait. L'école, elle nous apprend à avoir ce que j'appelle une communication sur un schéma on-off, c'est-à-dire je me tais ou j'écoute, je lève la main, j'attends qu'on me donne la parole, je parle, je dois rester passif. Il y a vraiment de très mauvaises pratiques qui sont mises en place à l'école avec ces professeurs qui sont des sachants et qui délivrent un message uniquement descendant finalement et sans se soucier, alors c'est pas sans se soucier, mais sans avoir la possibilité peut-être de le faire, de faire attention au ressenti de chaque élève. Pourquoi ? Ben, ne serait-ce que parce qu'on est sur une classe et puis avec une seule personne qui ne peut pas forcément toujours faire attention à tout le monde. Ce qui est terrible, c'est quand dans la famille, on a été aussi habitué à de mauvaises pratiques en termes de communication, soit qu'on est élevé dans un environnement où il y a beaucoup d'agressivité, ou beaucoup de non-dits, ou beaucoup de tabous, ou beaucoup de fuites, ou des principes finalement qui vont à l'encontre du fait de pouvoir, par exemple, exprimer son besoin. Dans la communication, on va le voir, bien communiquer, c'est en premier que chacun puisse exprimer son besoin. Voilà, ça c'est la première chose finalement pour bien communiquer. Et il y a beaucoup de familles où on n'a pas le droit d'avoir de besoin, où c'est les fameux drivers, hein, où il faut être parfait, il faut être fort, il faut faire des choses. Hein, il y a beaucoup de « il faut », il y a beaucoup d'injonctions. Bon, bah, quand on a vécu, comme moi, hein, par exemple, hein, dans des familles comme ça, eh bien, on va avoir une influence, évidemment, parfois pas toujours positive dans sa communication. Mais ce qui est fantastique, hein, c'est que tout le monde peut progresser à tout moment de sa vie. Donc ça, c'est génial. Communiquer, pour bien donner sa place, en fait, à la communication, communiquer, c'est l'activité humaine qui nous permet de vivre ensemble et grâce à laquelle tout est possible. Et ça, c'est vrai évidemment dans la vie personnelle, et c'est vrai aussi en entreprise. Grâce à la communication, en fait, on peut faire des choses, on peut construire un avenir, on peut co-construire un avenir, et sans communication, eh bien, il ne se passe rien. Alors, peut-être que vous vous dites que j'exagère un peu, mais essayez d'imaginer une situation où vous n'êtes pas seul, hein, d'accord, une situation où vous êtes à deux et plus, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel, et vous verrez que sans communication, bien, il ne se passe effectivement rien. Et j'ai même envie de dire, à l'intérieur de soi, on a aussi une communication interne. La personne à qui on parle le plus dans sa vie, c'est à soi-même. On se parle. On organise une communication, on se fait les questions et les réponses. On en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, la communication, on peut le dire, sans se tromper, elle va nous permettre de travailler ensemble. Et elle va nous permettre de travailler ensemble dans un environnement qui va être
qui peut être sécurisant et agréable, ou dans un environnement qui peut être franchement désagréable et nous placer même en insécurité. Donc cette communication, c'est un outil qu'on va bien utiliser ou parfois moins bien utiliser, et on essaiera quand même de faire preuve de tolérance, parce que bien utiliser la communication, c'est pas si facile que ça. Bon, je te laisse m'interrompre. Bon, c'est un peu l'intro. Pour l'instant, tout se passe bien. Vous aurez accès aux slides de Florence. Oui, je vous mettrai quand même, je le dis, mon logo. Voilà, là, je n'ai pas mis le logo parce que c'est moins joli, mais si ça part dans la nature, je mettrai quand même mon logo et peut-être même mon nom sur les slides. Bon, histoire de faire un petit peu de propriété intellectuelle, mais bon, bref, fin de la parenthèse. Donc, la communication managériale, Grégoire, quand on a préparé cette masterclass, il dit, mais ça sert à quoi communiquer et tout? Bah, ça sert à tout plein de trucs, hein. Donc, travailler ensemble, je l'ai dit. Et plus spécifiquement, par exemple, là, créer une dynamique de groupe. C'est évident que la culture managériale, ce qu'on appelle la culture managériale dans les entreprises, mais aussi dans les équipes, il y a des sous-cultures dans les entreprises, hein. Donc, la culture managériale et de l'équipe, la dynamique de groupe, ça passe essentiellement par la communication. La communication, mais ça permet aussi de remplir l'une des fonctions primordiales, hein, du manager, qui est d'informer. Ça, c'est très important. Le manager se doit de transmettre. En fait, c'est un passage, c'est un canal d'information, hein, dans les entreprises. Il informe, il dirige, il redispatche, il organise. Mais aussi, dans une version plus coach, ben, le manager, il va motiver, il va accompagner, il va apporter des feedbacks. Et tout ça, évidemment, va passer à travers d'une belle communication. Bien servir de la communication, c'est avoir la chance de bien motiver son collectif et aussi les individus. Dans les équipes, il y a aussi évidemment de la gestion de conflits. Bon, en matière de gestion de conflits, la communication, c'est l'outil phare, hein, de la gestion de conflits. Voilà, c'est ce qui va permettre, parfois c'est ce qui est à l'origine du conflit, mais dans tous les cas, c'est ce qui va permettre de solutionner le conflit. Et puis, il y a aussi la création de valeur et la capacité à collaborer, et notamment dans les entreprises entre des départements qui sont différents, avec des gens qui n'ont pas la même mission que nous, avec lesquels on ne partage pas toujours le même langage et les mêmes objectifs, eh bien la communication, c'est ce qui va nous permettre d'être dans ce partage-là, dans cette explication de contraintes parfois qui sont différentes, ou de points de vue parfois qui sont différents, et même d'objectifs. Même si l'objectif final de l'entreprise est le même, on peut avoir des objectifs dans les départements et dans sa mission qui vont être en opposition, hein, les uns avec les autres. Et puis, Florence, là, oui, dans ce que tu racontes quand même, c'est que quand on parle de communication sereine, oui, on a toujours tendance à se dire qu'on communique que dans les moments un peu difficiles. Oui. Alors là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres temps où les managers, c'est important aussi qu'on communique avec notre équipe de manière beaucoup plus fluide. Ah bah, on communique même majoritairement techniquement dans les moments où tout va bien, c'est-à-dire dans les situations normales et traditionnelles de travail. Et j'ai envie de dire que cet outil communication, il faut même se s'en servir dans ces moments-là de situations normales de travail pour bien se dire les choses, parce que ce sont des situations du coup qui sont plus faciles que la gestion de conflits ou les difficultés. Donc, apprendre à exprimer son besoin, apprendre à exprimer peut-être, tiens, moi j'aurais besoin de ça pour être mieux, pour me sentir mieux dans mon poste ou dans cette mission, dans cette activité, bah, c'est bien de le faire quand il n'y a pas trop d'enjeux. Hein, d'accord ? Donc, c'est au contraire. Hein. Et innover, avoir des idées, se transformer, inventer, bah, on va voir comment la communication peut nous aider, et j'espère que je vous surprendrai à ce moment-là. L'objectif, le manager, il va avoir plusieurs objectifs quand il va communiquer. Et en fonction de l'objectif qu'il va rechercher, il va choisir un canal de communication. On est dans un monde, et c'est ce qui rend plus difficile encore la communication aujourd'hui que ça ne l'était il y a encore 15, 20 ou 30 ans. C'est qu'il y a une multiplication des canaux de communication. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de la communication, d'accord ? On est dans de la communication distancielle, synchrone. Donc, on n'est pas en présence, on n'est pas en face à face, et la communication, elle est quand on se voit,
Enfin, on se voit, vous me voyez, on te voit, toi, Grégoire, mais on ne voit pas les autres. C'est encore une communication qui est particulière. On a le chat, j'essaye de checker un petit peu. Bon, ce n'est pas si facile que ça. On voit qu'il y a des difficultés. Et puis, on est dans une communication descendante. Bon, ben, ça, c'est une manière, c'est un canal de communication. Dans les canaux de communication, le canal privilégié de la communication, celui qui maximise les chances de bien communiquer, c'est toujours le présentiel. En individuel ou en collectif, évidemment, il y a des différences. On rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Il y a la communication digitale asynchrone, les emails qui prennent une énorme part dans la communication et qui vont même considérablement embrouiller la communication managériale. Ça non plus, on n'ira pas trop là-dedans. Mais peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas, gardez ça en tête, c'est pas parce qu'on envoie un email qu'on a communiqué. Il faut quand même être clair là-dessus. Moi, j'ai 550 emails de retard. Bon, je ne sais pas forcément la gestion de ma boîte mail la plus optimum, mais il faut quand même se dire que ce n'est pas parce qu'on a écrit quelque chose que l'autre l'a reçu. Dans la communication, je ne vous ai pas refait le schéma qu'on connaît un peu par cœur, émetteur, récepteur, etc. Il y a un moment donné, il se passe quelque chose où le récepteur, il ne l'a pas. Hein. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a écrit quelque chose que l'autre en a perçu toutes les subtilités non plus. Donc, oui, parce que c'est ça. Parce que si je t'envoie un mail ou un message que tu l'as lu ou que tu accuses réception, ouais. Là, maintenant, il y a plein de notifs. Ouais. Pour toi, ce n'est pas suffisant et c'est même un peu une connerie de se dire j'ai communiqué. Ah, mais c'est complètement une connerie. On a envoyé une information, mais on n'a rien communiqué non du tout. À partir du moment où l'autre, on ne sait même pas comment il l'a reçu le message. Moi, je ne sais pas quelles sont les pratiques, mais j'ai une vie qui va un peu à 800 à l'heure. Quand je reçois un message, je l'ai. Parfois, je suis en même temps au téléphone avec quelqu'un et je suis en même temps en train de gérer un autre truc de l'autre côté, d'accord ? Donc, tout ça se fait dans un espèce d'un peu de méli-mélo où on n'est pas complètement focus sur ce qu'on lit. Parfois, il m'arrive même de lire parfaitement l'opposé de ce qui est écrit, en toute bonne foi. Bon. On verra cette question de la bonne foi et cette question de la faute dans la communication. À rajouter à cela les pratiques des langues étrangères. Oui, tout à fait. Je dis qu'à elle, évidemment, on peut avoir en plus des problématiques quand on travaille avec des gens qui sont de cultures très différentes. Et quand on parle de cultures différentes, on pense à étrangers, mais ça peut être aussi un métier. Il y a des métiers qui sont très éloignés. Je veux dire, faites parler un informaticien avec un commercial, ça peut être rigolo. Vous voyez, ils n'ont pas tout à fait les mêmes codes dans la communication, ils ne vont pas utiliser les mêmes choses. Et les RH, c'est pareil, on va avoir une communication particulière. D'accord ? Et puis, la communication synchrone, le visio, le téléphone, le WhatsApp, le Skype, qui est plus ou moins temps réel, plus ou moins écrite, plus ou moins orale. Je sais que le WhatsApp, on mélange l'écrit, l'oral, et on ne communique pas pareil. On n'écrit pas de la même manière quand on écrit un SMS ou quand on écrit un WhatsApp. Il y a des codes qui peuvent dépendre aussi des entreprises et des cultures d'entreprise. Donc, tout ça se mélange un peu et rend la communication managériale, évidemment, encore un petit peu plus complexe, j'ai envie de dire. Et on verra peut-être comment on peut traiter ce sujet-là un petit peu plus tard. Alors, quand même, juste pour faire un tout petit focus sur les canaux de communication, je ne sais pas si tu as préparé un sondage là-dessus ou pas. Non, je n'ai pas préparé de sondage pour le coup. Ok, pas de souci. Que chacun se pose, s'interroge, réponde à la question. Quel canal ou quel canal de communication privilégié pour gérer un conflit, par exemple? Alors, je vous en ai proposé quatre. Le face-à-face, le téléphone, on se croirait chez Jean-Pierre Foucault, le téléphone, le Skype ou WhatsApp, ou carrément l'email. Bon, je vous laisse techniquement, vous avez réfléchi. Même question, mais cette fois, qu'est-ce que j'avais dit? Privilégié pour gérer un conflit, et là, pour éviter... Bon, j'ai posé n'importe quoi. Alors, je donne la réponse. Je ne suis pas corrigée. Celui-là, vous ne l'aurez pas dans la présentation. Alors, pour gérer un conflit, sachez qu'on va privilégier toujours le face-à-face. Éventuellement, on va pouvoir le faire par téléphone, mais ce n'est pas génial de le faire par téléphone. Et alors, on va totalement proscrire tout ce qui est Skype, WhatsApp, SMS et tout ce qui est email dans la gestion de conflit. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas compliqué. On ne le fait pas. Je vous explique pourquoi. Dans la communication,
Ça, c'est la théorie de Marabian. Dans la communication, on va dire qu'il y a une communication verbale. La communication verbale, ce sont les mots, le langage que j'utilise. La communication verbale, c'est ce qu'on retrouve aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il y a la communication, alors après, le paraverbal, qui est la voix. Donc la voix, l'intonation de la voix, le volume de la voix, les silences que je vais marquer dans la communication, qui donnent énormément d'éléments de compréhension à l'autre. Alors ça, le paraverbal, on va l'avoir aussi quand on est au téléphone, on a le paraverbal. Mais déjà à l'écrit, on l'a plus. La communication écrite, moi je dis que c'est une communication qui est narcissique. C'est-à-dire que on reçoit le message écrit dans l'état d'esprit dans lequel on est. C'est-à-dire, je suis de très bonne humeur. Je reçois un SMS, je suis de très bonne humeur, quelqu'un me dit quelque chose, je vais super bien le prendre. Je suis de super mauvais poil, je suis en colère, ça ne va pas aujourd'hui. Je reçois le même SMS, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me cherche? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai fait le test vraiment à de très nombreuses reprises. En fait, on reçoit le message écrit dans l'état d'esprit dans lequel on est. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le paraverbal. Je vais vous faire le test tout à l'heure, vous verrez. Et puis, il y a aussi le non-verbal, c'est-à-dire la posture, les gestes, les expressions. Le paraverbal, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous le savez, mais les gestes nous donnent l'intention. C'est comme dans la voix. Si je commence à vous parler comme ça, vous allez voir que j'ai une intention qui est très différente dans la communication. Je vais avoir une voix où je vais être un petit peu timorée. Je vais, là, vous voyez, j'essaye de me poser un petit peu en victime. C'est un petit peu dur pour moi de faire cette masterclass. Alors, je vais parler comme ça, tout doucement. Puis, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de hocher de la tête. Voilà, je m'inode. D'accord? Donc, j'ai allié... Ça arrive hyper souvent dans la communication. Je ne connaissais pas tes talents d'actrice, Florence. Oui, je suis en train évidemment. De découvrir. Évidemment, bien sûr. Et fais attention, je fais le timekeeper, on a déjà beaucoup de questions. Hein. D'accord. Donc, vas-y, okay. Continue. Et pas trop d'acting studio, hein, sinon on n'aura pas le temps. D'accord, pas trop d'acting studio. Donc, j'ai aligné mon message paraverbal et mon message non-verbal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma posture, je me suis montré, j'ai envoyé un message à l'autre qui est « Ah, bah, je sais pas, je suis en doute, je suis machin, etc. » Et ça, on ne l'a pas, évidemment, au téléphone. Et on a besoin, ce que nous dit Merabian, c'est que le message, la communication, elle passe à 7% par les mots et à 90% avec, justement, le paraverbal et le non-verbal. Donc, quand on communique uniquement par mail, eh bien, on dégrade, en fait, considérablement la communication. On la dégrade de tout ce qui nous permet, en fait, de bien communiquer et de bien se faire comprendre. Et on la dégrade aussi parce qu'on n'a pas ce fameux feedback, ce fameux retour de l'autre qui fait qu'à un moment donné, est-ce que l'autre a bien compris ou n'a pas compris finalement. Et si je reprends, on a 7% donc de verbal, donc c'est les mots que je dis permettent de porter le message à 7%, ça apporte 7% de la compréhension. 37% grâce au paraverbal, donc à la voix et à l'intonation et au volume, donc ça c'est tout ce qui est dans le son, et 55% au non-verbal. C'est-à-dire que la communication, elle est essentiellement visuelle. D'accord ? Verbal, vocal, visuel. Elle est essentiellement visuelle. Et quand on a évidemment un conflit, ce qui va être très important et en situation difficile de communication, il va falloir mettre toutes les chances de son côté pour bien communiquer. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire une communication en face à face. Alors j'entends, ces chiffres m'ont toujours déprimée. Bon, ben, on verra peut-être plus tard, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi pourquoi ça vous a déprimée. Mais ce que j'aimerais savoir, et je vois déjà dans quelqu'un, je vois Philippe qui note, et les 1% restants. Alors, j'aimerais bien que vous leviez la main si vous avez vu que 92 plus 7%, ça ne fait pas 100%, mais 99%. Et donc, du coup, j'ai fait une erreur dans le slide. Je veux bien que vous leviez la dans main. Dans le chat, vous mettez « oui ». Oui, j'ai vu ou non, je n'avais pas vu. Ou, ouais. Oui ou non. Qui a vu l'erreur du 92 et 7? Oui, alors il y en a beaucoup qui l'ont vu.
C'est fantastique. Bon, les noms, vous avez le droit. Hein. Moi, personnellement, je ne l'avais pas vu en préparant la masterclass. Non, hein. Super, c'est fantastique. C'est fantastique, je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Et en fait, grâce à ça, je vous ai fait expérimenter. Pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je suis désolée, hein, vous êtes passé à côté de l'expérience. Et ce n'est pas grave, hein, tout va bien. Hein, y avait pas de... La question n'était pas de savoir est-ce qu'il est important ou pas que je le vois. Mais pour tous ceux qui l'ont vu, vous avez expérimenté ce qu'on appelle l'attention sélective. C'est-à-dire que je porte un message, je vous parle, je vous dis quelque chose de relativement important hein, quand je vous explique finalement dans cette communication la différence entre verbal, vocal et visuel. Et vous voyez l'erreur et là, clac, vous déconnectez. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, votre attention, elle se porte sur quoi ? Sur l'erreur. Et vous vous dites, Florence, elle a fait une erreur. Pour ceux qui me connaissent, il y en a peut-être qui sont en train de se dire, oh là là, il faut absolument que je lui envoie un mail, qu'elle corrige son slide, c'est pas possible. Il y en a peut-être qui se sont dit, mais elle est gourde, celle-là, elle ne sait même pas faire 100, elle ne sait pas additionner sur 100, elle est forte en communication, mais pour les maths, il faut qu'elle repasse. Et puis, il y en a d'autres qui se sont peut-être dit, bah, qu'est-ce que je fais avec ces... est-ce qu'il se passe quelque chose avec les 1%? Il y en a peut-être qui se sont questionnés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous existez dans la communication. Vous recevez un message et vous avez une perception de ce message. Et cette perception, elle change selon les individus et elle va complètement impacter notre compréhension. Florence, oui. Je me permets de faire un petit break. Je peux revenir sur la slide présente parce que je vais prendre une petite salve de questions. Parce qu'il y en a énormément. Donc, on va commencer par la question d'Amaury parce que c'était notamment sur Skype, avec le travail très hybride en ce moment. Pourquoi le téléphone est-il à privilégier face à une visio, puisque du non-verbal est communiqué ? Ah, j'ai pas dit visio, j'ai dit Skype, WhatsApp et email. Non, j'ai pas dit visio. J'avais Mais pas par mis exemple, visio. Par rapport à un coup de téléphone ou à une visio, toi, tu Alors, lequel on privilégie ? Alors, j'ai envie de dire, déjà, on va privilégier celui qui le plaît le plus. Quand on est dans une com à deux, eh ben, on va se mettre d'accord. Si on préfère le téléphone, on va se téléphoner. Si on préfère la visio, on va se mettre en visio. Là, il y a aussi une question de goût. Moi, personnellement, pour le coup, je préfère le téléphone. La visio, j'ai l'impression d'être enfermée comme ça, quelque part. Je suis toujours en train de me regarder, ça me perturbe complètement. Et au téléphone, je suis beaucoup plus libre de mes mouvements, etc. Et je préfère toujours, moi, pour le coup, la communication téléphonique quand je suis à deux. Voilà. Okay. Même si on ne voit pas le visage. Voilà. Ok. Une autre question de Serge qui était intéressante, qui est un peu plus large, c'est dans le cadre de la période Covid, le télétravail a mis à mal beaucoup de règles de communication. Est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que peut-être tu as des conseils ? Ben oui, bien sûr. Déjà parce que... alors, des conseils. Vous êtes dur avec moi. J'en ai encore 2 heures ou pas. Oui, alors le Covid a mis à mal beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Covid, il y a 2 ans, nous a tous placés dans une insécurité terrible. Et en fait, la communication est grandement impactée par notre niveau de stress. Quand on est en situation de stress, on va avoir beaucoup plus de mal à communiquer. C'est des facteurs d'influence, hein. Facteurs environnementaux, facteurs physiologiques et facteurs psychologiques, eh bien, le stress rentre dans le facteur psychologique, notre état d'esprit rentre dans notre facteur psychologique, notre motivation, notre envie d'aller comprendre l'autre, d'aller l'écouter, eh bien, va faire qu'on va plus ou moins bien, évidemment, communiquer. Et on voit bien que quand on est bourré d'inquiétude, d'angoisse, quand on a quelqu'un dans sa famille qui est malade, quand on ne sait pas ce qui va se passer de son travail, de comment on va s'organiser, mais moi, j'en peux plus, les enfants, le truc, j'ai pas de connexion Internet, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, on voit bien que tout ça va grandement impacter, évidemment, notre relation à l'autre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ben, j'ai envie de dire, pour mieux communiquer, il va falloir déjà traiter de son état émotionnel. Pour bien communiquer, en fait, avec l'autre, il faut déjà être le mieux possible soi-même. Donc, faites-vous, je ne sais pas qui posait la question, faites-vous... C'était Serge. Serge, mettez-vous dans les meilleures dispositions pour vous, de sport, de bien-être, de détente, de lecture, de repos, bien dormir. Tout ça permet de bien communiquer et puis d'abaisser aussi parfois le niveau de stress au travail et d'être davantage avec les autres. Il y avait Aude qui nous demandait, elle, sur les retours sur visio, mail, etc. Elle se demandait est-ce que les face-à-face est aussi OK avec des collègues très introvertis et comment l'adapter à leurs besoins. D'accord. Alors, Aude, en fait, les collègues très introvertis, ben, au contraire,
Hein. Il faut au contraire encore plus qu'ils expriment, qu'ils existent physiquement. Et les introvertis, on va essayer d'aller capter tous les signaux justement de communication visuelle. Comment on fait parler quelqu'un qui ne parle pas? On se tait. Voilà. On pose une question et on se tait. On a tendance, quand quelqu'un ne parle pas, à occuper l'espace. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je m'étais, moi, parce que je fais des vidéos un peu drôles parfois sur LinkedIn. Et j'avais pris l'exemple de Dirty Dancing. Je ne sais pas si tu avais vu. Mais c'est vraiment ça. Donc, il y a Patrick Swayze qui apprend à bébé, je ne sais pas son vrai nom, qui lui apprend à danser. Et à un moment donné, il lui dit dans une scène mythique, ça, c'est mon espace. Et ça, c'est ton espace. Tu ne rentres pas dans mon espace et je ne rentre pas dans ton espace. Ben, la communication, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à quelqu'un d'introverti, on va avoir tendance parfois en tant que manager à essayer de combler. Ben non, on ne comble pas. Il n'y a rien à combler. C'est soit l'autre se donne le temps de rentrer dans la relation. Soit il n'y a rien à combler. En tant que manager, on fait 50% de son chemin, on prend son espace, mais on ne dit pas les choses à la place de l'autre. Voilà. Oui, bébé. Top, merci Frédéric beaucoup. Frédéric Haussmann, merci. Merci Sophie. Pour toutes les autres questions, Gislaine, Marie, etc., je connais un peu la suite de la masterclass, on va les aborder. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte qu'on les traite. Mais Florent, je te laisse poursuivre parce qu'il est, je fais le timekeeper, il est midi 10. Ok, on y va. Les facteurs environnementaux, évidemment, par exemple, là, vous voyez, j'ai hyper froid. Bah, quand je suis dans une salle où il fait hyper froid, j'entends moins bien. Ça a une influence tout de suite, évidemment, sur la manière dont je reçois le message. Les facteurs... c'est plutôt facteurs physiologiques. Bon, j'ai mis facteurs environnementaux, bon, on s'en fout. Les facteurs physiologiques, c'est pareil. Quand j'ai mal à la tête, j'entends pas ce qu'on me dit. Quand j'ai mal dans le dos, j'entends pas non plus ce qu'on me dit. Quand j'ai envie d'aller en toilette, j'entends pas non plus ce qu'on me dit. Dès que j'ai envie de faire pipi, j'entends plus. J'avais une boss, et je l'ai toujours, j'ai écrit un bouquin avec elle. Dès qu'elle avait faim, c'était fini. Fallait arrêter la réunion, ça ne servait plus à rien. Il ne se passait plus rien, il fallait qu'elle mange. Bon, ben voilà, on a aussi des besoins physiologiques. Et ces besoins physiologiques, on ne les exprime pas toujours. On ne dit pas forcément toujours à son manager, « Non, mais alors là, j'ai hyper envie d'aller aux toilettes, bouge pas, time break, je vais aux toilettes, je reviens. » On n'ose pas le dire, ça. Et du coup, on n'est plus concentré sur la discussion. Mais de la même manière que lorsqu'on a mal quelque part, on ne le dit pas forcément. On ne dit pas qu'on a mal à la tête, on ne dit pas qu'on a mal au ventre, qu'on a mal dans le dos. On ne partage pas ça avec l'autre. Et pourtant, ça vient influencer notre communication et la perception qu'on a évidemment des choses. Le facteur psychologique, l'état émotionnel, de même, on en a parlé tout à l'heure. Dans la vie professionnelle, contrairement à ce qu'on pense, bah non, quand on a des soucis dans sa vie privée, ça ne reste pas à la porte du boulot. Hein. Il y en a qui arrivent à le faire, et très bien, c'est fantastique, bravo à vous. Mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ont l'esprit encombré, et je crois que ça peut se comprendre. Donc Florence, là juste, je me permets, donc petit conseil, que ce soit quand on est manager avec notre N+1, oui. C'est lui dire quand on n'est pas prêt à recevoir, à communiquer, pas parce qu'on a envie d'aller aux toilettes ou parce qu'on a des problèmes perso. Mais c'est compliqué si tu as une réunion qui est calée avec quelqu'un pour faire une réunion feedback sur un dossier. Voilà, et là, que tu dis à l'autre, bah non, là, je ne suis pas prêt, j'ai mal à la tête. Ouais. Le manager peut dire aussi, bah écoute, prends un Doliprane parce qu'on a calé ça depuis 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire, Alors, on peut soit le dire, soit ne pas le dire. Ce qui est important, en fait, c'est que chacun sache, là, on est 138, il y en a 138 qui sont avec nous, chacun des 138 doit comprendre que quand il communique avec l'autre, il ne sait pas dans quel état d'esprit il est. Il n'a pas forcément l'information et que parfois, l'information ne passe pas. Et il y a quelque chose, je vais revenir sur ce que tu dis, j'avance juste, c'est dans le slide encore d'après, il y a un paradoxe terrible en communication, c'est que plus on écoute, moins on écoute. Alors là, tu vas me dire, Florence, t'es complètement cinglée. Mais non, je ne suis pas cinglée. C'est-à-dire que quand on est dans une réunion et qu'on écoute, ou quand on est en face à face, peu importe, et qu'on écoute vraiment quelqu'un, on est très concentré, eh bien, on a l'esprit qui va réfléchir. C'est-à-dire qu'on intègre ce que l'autre nous dit, et parce qu'on l'écoute, on va avoir des idées.
on va penser à des choses, on va se dire, mais oui, mais c'est vrai. Mais je me rappelle, la dernière fois, j'étais avec Jean-Paul, et c'est exactement ça qui s'est passé. J'avais mal à la tête, j'ai rien entendu de ce qu'il m'a dit. Sauf que quand on pense ça, parce qu'on m'a bien écrit, c'est-à-dire que la communication en elle-même nous déconcentre. Et j'en viens du coup à ce que tu me dis. Est-ce qu'on dit à chaque fois qu'on a mal au dos, mal au ventre, mal au truc? Mais non, on ne le dit pas. En revanche, quand on se retrouve avec Jean-Paul, d'accord, Jean-Paul, Ghislaine ou autre, on s'en moque, d'accord, et qu'on se rend compte qu'on ne s'est pas compris, eh bien, on arrête de dire « c'est de ta faute, pourtant je te l'ai dit ». Ben oui, je te l'ai dit, mais il y a plein de choses qui font qu'on ne s'entend pas en fait. Et tu me l'as dit, mais justement, j'ai vachement écouté pendant cette réunion. Je ne comprends pas que je sois passée à côté de cette info. Ben, vous êtes passée à côté de l'info parce que vous avez vachement bien écouté, en fait. Et que vous avez un cerveau et que vous réfléchissez. Donc, on va se détacher en tant que manager de l'histoire de la faute. Moi, la faute, alors ça m'arrive aussi vachement dans le cadre personnel. Avec mon mari, j'aime beaucoup lui dire, mais ça, je te l'ai dit. Alors là, là, je te l'ai dit, c'est pas possible. C'est dit, c'est dit. Et c'est la même chose que pour les mails. C'est pas parce que c'est envoyé que c'est intégré. C'est pas parce que c'est dit que c'est entendu. Et c'est pas pour ça que l'autre est en responsabilité. D'accord ? Donc, très important, la communication est toujours non fautive. Et non seulement elle est non fautive, mais en plus, il est normal de ne pas se comprendre. On est tous des individus parfaitement différents. Grégoire, toi, tu as ton histoire, j'ai la mienne. Quand on me dit quelque chose, selon la manière dont on me le dit, ben, ça évoque des choses chez moi, d'accord ? Et c'est vrai pour tout le monde. Dans ces facteurs de perception, ces facteurs environnementaux, psychologiques, physiologiques, eh bien, évidemment, je vais plus ou moins bien comprendre ce qu'on dit. Et puis, on a tous des cerveaux qui sont faits de manière totalement différente. Selon le message, vous mettez, là, on est encore 138, merci de rester, du coup, c'est vachement sympa. Il y en a 138 qui comprennent de 138 manières différentes ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tout le monde a le même message, mais tout le monde l'intègre de manière différente par rapport à son niveau de maturité, son histoire, ce dont il a besoin. D'accord ? Et sa disposition à l'esprit du moment. Alors, il y a un truc qu'il va vraiment falloir arrêter, c'est de rechercher une communication parfaite. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ça, avec cette histoire de mettre de la pression comme ça dans de la communication. Moi, j'ai beaucoup de managers en formation qui sont catastrophés, qui me disent « mais j'en peux plus de me répéter, je sais même plus comment dire les choses pour être compris, etc. » Mais tout va bien, tu n'es pas compris, mais fantastique, c'est génial. Il y a plein de moments où c'est tout à fait normal. On va quand même identifier des fois où c'est pas normal. Hein. Il y en a quand même quelques-unes où il faut quand même se faire comprendre et avoir un message un peu clair. On va voir hein, comment bien communiquer derrière. Mais arrêtons de rechercher cette perfection dans tout, d'autant que, je l'ai dit, il n'y a pas de faute et il n'y a pas de coupable, mais plus encore, ne pas se comprendre est une chance. Ne pas se comprendre en entreprise est une chance merveilleuse. Je vous laisse intégrer quand même, je laisse décanter. Mais oui, ne pas se comprendre, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Florence ? Décidément, elle est complètement cinglée. Peut-être. Moi, quand je travaille, alors je travaille avec Oriane Caron, qui est peut-être là, je ne sais pas. On n'a pas du tout le même cerveau, du tout. Hein. On n'est pas du tout fichu pareil. Et quand on ne se comprend pas, oui, tu es là, bon, bah, donc du coup, tu vas pouvoir confirmer. Et quand on ne se comprend pas, je me dis, bon, comment ça se fait qu'on ne se comprend pas ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? D'accord ? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter ? Et je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Parce qu'une communication parfaite, une communication où on se comprendrait de bout en bout, c'est une communication qui est stérile. C'est une communication où il n'y a pas d'idées. Les idées viennent de l'incompréhension, de la volonté d'aller chez l'autre, de la volonté de le comprendre. Les idées viennent de l'incompréhension. C'est parce que nous ne nous comprenons pas qu'on trouve des solutions. Si vous mettez dans une pièce des personnes qui se ressemblent et que vous leur demandez de traiter d'un problème,
elles vont toutes se mettre d'accord pour avoir une solution unique. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. La bonne solution, elle naît de la différence. Et il est nécessaire d'avoir ce passage par l'incompréhension pour voir les différents points de vue, pour innover, pour changer, pour créer. Donc, je vous le répète, l'incompréhension dans la communication, c'est une chance. C'est une chance inouïe. Et à chaque fois que vous ne comprenez pas votre collaborateur, dites-vous, c'est génial, on est vraiment différents. Il a des forces, j'ai des forces. Et on va pouvoir faire des choses ensemble. Oui. Je rebondis justement sur des questions qu'on a eues sur ces difficultés-là, puisque là, effectivement, il y a le côté extrêmement positif de ces incompréhensions, mais qui peuvent être quand même compliquées d'un point de vue très opérationnel et puis aussi psychologiquement. Catherine demandait, comment est-ce qu'on peut communiquer avec quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions et réagit de manière disproportionnée à chaque situation ? Alors, j'ai envie de dire... Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Alors, je reprends sur le terme de gestion. Une émotion, ça ne se gère pas. Une émotion, ça se vit. Ça se vit et ça se regarde. Il y a des gens qui ont un potentiel, on va dire, émotionnel fort. D'accord ? Quelqu'un dans son équipe qui a cette caractéristique, eh bien, il va effectivement falloir l'accompagner en tenant compte de ça. Et on va pouvoir l'aider en tant que manager à aller regarder cette émotion-là. Et la première chose qu'on a à faire, c'est, là, tu es en train de vivre une très grande émotion. Mais ça, comment s'appelle la personne qui a posé la question ? C'est Catherine. Catherine, ça ne se contrôle pas, l'émotion. Quelqu'un qui est peut-être hyper émotif, d'accord ? Il le subit, il ne le choisit pas. Et... aller lui renvoyer une image négative par rapport à qui il est, alors que c'est une de ses caractéristiques fortes, eh bien, ça, c'est contre-productif parce que la personne, elle va s'en vouloir, ça va générer encore plus d'émotions. Donc, quelqu'un qui vit une émotion qui est importante, on lui laisse le temps de l'explorer. Tiens, alors là, je vois que tu es très en colère. Alors, on prend, on montre, je vois que tu es très en colère. Oui, je suis en colère parce que j'en ai marre, etc. Donc, on reste les bras ouverts, on accueille, très bien, on écoute. Ok. On va lui dire, est-ce que tu sais que derrière la colère, il y a un besoin qui est mal exprimé ? Alors, quel est ton besoin ? Oui, parce que je n'ai pas ça ! Allez, formule-le-moi. Essaye de me le formuler plus gentiment, s'il te plaît, parce que moi, j'ai envie de communiquer avec toi. Donc, essaye d'abaisser, si tu veux bien, le niveau du truc. Donc, en fait, ce dont tu as besoin, c'est de ça. Est-ce que tu veux bien qu'on travaille là-dessus ? On fait ça maintenant ou tu vas te prendre un café, tu prends un verre d'eau, on repart. D'accord ? Et quelqu'un qui pleure, qui va s'effondrer, c'est pareil. Je vois que tu vis les choses là, avec une très grande intensité. Je te laisse 5 minutes le temps de te reprendre. Voilà un paquet de Kleenex. Prends-toi un verre d'eau. Je reviens dans 5 minutes quand tu auras repris tes esprits. Voilà. On ne va pas aller culpabiliser quelqu'un qui, de toute manière, est en train de subir son émotion. C'est tout. L'émotion... c'est un message qu'on nous envoie. Voilà. Et c'est un message par contre qu'on exprime. Oui. Je me permets, j'enchaîne sur la question de Marie, qui elle demandait comment est-ce qu'on peut rentrer en communication, pour le coup, avec quelqu'un qui est réfractaire à toute discussion. Alors ça, je vais répondre tout à l'heure. Je peux me réserver. Ah mince. Je le réserve alors. Marie. Je le fais maintenant. Marie, on ne force jamais la communication. La communication, c'est le respect. Dans la communication, garde le truc, ça vous aurez les fiches pratiques, comment bien communiquer et du coup, est-ce qu'il y a des recettes est-ce qu'il y a une recette je vais traiter après, je vais traiter après Marie. Sachez Marie, on ne force pas la communication et vous allez voir pourquoi. Alors, il n'y a pas forcément de recette, mais il y a quand même des grands principes à appliquer et on arrête la télépathie. Mais moi, j'ai mis, attends, là, tu rigoles et peut-être que les autres, ils sont en train de rigoler aussi. Mais honnêtement, moi, j'ai mis 35 ans avant de comprendre, notamment avec mon mari. C'est avec mon mari que je m'entraîne beaucoup à la communication. On est très différents. C'est un introverti, je suis une extravertie. Et je lui envoyais des messages.
genre en mode j'ai envie d'une surprise, tout ça, j'ai envie d'une surprise, machin. Et il ne comprenait jamais rien. Ça m'énervait. Donc du coup, je me mettais à faire la tronche, normal. Il n'a pas reçu le message. Pourtant, j'y ai pensé super fort. Hein. Il n'a rien reçu, quoi. Je me mets à faire la tête. Ok, super, oui, rien, elle se marre, elle le sait. À faire la tête. Là, il me demande, mais ça va, chérie, ça va pas? Mais si, si, ça va, tout va très bien. Je mens. Je mens et il comprend toujours pas que je mens. Il est vraiment décidément, il le fait exprès. C'est pas possible. Il le fait exprès. Mais oui, excellent. Et donc, et puis ben après, qu'est-ce qui se passe? Et ben après, dans le quotidien, il me dit un truc et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'engueule. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça sorte. Donc, au lieu de dire, bah écoute, moi j'aimerais bien là que tu me fasses une surprise ou qu'on sorte dîner ou qu'on se fasse un truc parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas accordé un moment ensemble et que moi ça me ferait plaisir, d'accord? Eh bien, je préfère l'engueuler parce qu'il n'a pas bien rempli la vaisselle. Voyez? Donc, du coup, pourquoi? Parce que j'ai télépathé quelque chose. Donc, on arrête de faire de la télépathie, les gens n'entendent pas ce qu'on a en tête, d'accord? Donc, si on veut être compris, ben faut verbaliser hein, en fait les choses. Et on va verbaliser en se disant que dans le message qu'on envoie, Marie, par exemple, elle veut communiquer. Donc, elle va dire, hein, à l'occasion, à une occasion pro ou perso, elle va dire à l'autre, bah voilà, Grégoire, j'ai très envie qu'on ait une discussion sur ce sujet-là. Il me semble important qu'on puisse aborder la question. Et puis là, toi, tu me dis non. Eh bien, tu as le droit, parce que tu as le droit d'exister. La communication, elle implique l'autre. Quand l'autre il n'existe pas, ben on passe des informations. On parle quand l'autre n'existe pas. Mmh. Voilà. Quand on communique, l'autre, il existe. J'ai hâte de voir le replay. Ok, super, merci Florence. Quand on communique, l'autre, il existe. Et il existe aussi quand il nous contrarie. La communication, c'est avoir la capacité d'exprimer son besoin, mais aussi d'écouter le besoin de l'autre. Si on n'est pas prêt à ça, c'est qu'on n'est pas prêt à communiquer. C'est pas grave. Hein, on a le droit de ne pas être prêt à communiquer. Tout à l'heure, Catherine nous parlait d'émotions. Ben moi, quand je suis en colère, c'est même pas la peine de me parler. Rentre chez toi. J'ai pas envie de t'écouter. Rentre chez toi. Allez, dégage. C'est ça hein, que j'ai en tête. Hein. C'est je ne veux pas te parler. D'accord? Et si on te parle, je vais même utiliser un mode de communication, je peux te dire qu'il va pas être, je peux te dire que ça va être sale et tu vas le sentir passer le truc. Hein. D'accord? Donc, on est dans le refus de communication. Et ça, ça ne se force pas. La seule chose qu'on peut dire à l'autre, à ce moment-là, c'est alors c'est ce que je dis, alors là, c'est trouver un accord, mais c'est pareil, on va aller exprimer son besoin et on va dire, bon, je te prends comme exemple, hein, Grégoire. Bon, écoute, Grégoire, là, moi, je comprends que tu n'aies pas envie de discuter là, maintenant, mais moi, je vais avoir quand même besoin d'aborder ce sujet et je vais avoir besoin de l'aborder dans un temps quand même assez raisonnable. J'aimerais que tu me dises à quel moment tu es disponible pour qu'on en parle entre ben, maintenant et allez, la semaine prochaine. Mmh. Voilà. Et tu choisis. Et c'est vrai aussi dans sa vie perso. Vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de discuter, bah vous lui dites ça. Bah moi, j'ai besoin de discuter de ça. Donc, à quel moment est-ce que tu crois que tu seras disponible pour qu'on puisse en discuter? Voilà. Là, il faut être ferme parce que Mickaël nous dit si l'interlocuteur procrastine, enfin, s'il ne veut pas, est-ce qu'on procrastine? Toi, tu dis non. Là, en tant que manager, il faut être ferme et mettre une deadline. Quoi. Bah, à ce moment-là, on peut déporter, je dirais, on peut déporter la question et dire, bah, à ce moment-là, ok, on ne parle pas de ça, mais il va falloir qu'on parle de la raison pour laquelle on n'arrive pas à communiquer. Mmh. On ne force pas forcément notamment dans sa vie privée. Hein. Parfois, il faut juste se dire, et c'est pour ça que j'ai fait le point sur la qualité de votre communication, on va essayer de trouver une solution qui convient bien à l'autre. Si le face-à-face pour toi est difficile, est-ce que tu préfères qu'on parle au téléphone? Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut toujours faire le face-à-face. Ben non, il ne faut pas toujours faire le face-à-face. À un moment donné, proposer un outil où on va dégrader la communication pour permettre à l'autre de se mettre en sécurité, eh ben, ça peut être bien. Marie, elle parle de quelqu'un qui a une problématique émotionnelle. Eh ben, les gens qui ont des problématiques émotionnelles, on peut leur dire, ben, on se téléphone plutôt.
Parce qu'ils se mettent en sécurité, ils sont chez eux, ils sont mieux, on ne les voit pas. S'ils pleurent ou s'ils sont décontenancés, on ne les voit pas. Donc, du coup, ils se sentent mieux. D'accord? On trouve un accord en tous les cas. Très et clair. S'il veut pas parler, bah dans ce cas-là, ok, il y a des cas où, mais à ce moment-là, c'est pas des cas de communication, hein, c'est des cas de sanctions. Je vais prendre une autre casquette. Tu comprends, Grégoire? Si tu veux pas qu'on parle de ce problème-là, alors tu me forces à passer dans un autre rôle, dans un rôle managérial, qui est le manager qui est dans le disciplinaire, en fait. Et moi, je préférerais être dans le manager qui communique. D'accord? Okay. Mais pourquoi pas le disciplinaire, hein? Ok? Florence, il est 12h25, il nous reste un gros quart d'heure avant la fin de la masterclass et on a quelques questions. Ok, alors je fais très vite. Donc, libérer la parole, je pense que vous l'avez compris. La communication, le premier courage managérial, c'est d'oser oser communiquer en étant soi-même. Je vous donne quelques trucs pour communiquer et notamment pour communiquer sereinement. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma pour communiquer sereinement. L'intention, elle est bienveillante. On n'a pas de communication sereine si on veut faire du mal à l'autre. On n'a pas de communication sereine si on veut piéger, si on a de la rancune, si on a du ressentiment. Il n'y a pas de communication sereine, c'est autre chose. On va essayer de faire de son mieux, mais la première intention, c'est la bienveillance, surtout quand on porte un message qui est difficile, ne pas vouloir faire de mal à l'autre. Ensuite, vous voyez, il y a 4 styles de communication. Alors, je vous fais la communication. Tous les styles sont possibles, y compris l'agressivité dans le travail. Vous avez quelqu'un qui est agressif avec vous, et bien parfois, c'est paf, paf, et c'est tout. Et quand on a quelqu'un qui veut prendre le dessus dans la communication, pour peu qu'on sache le faire, hein, tout le monde ne sait pas utiliser le style agressif, moi, je suis très douée, je n'ai pas de souci. Et les gens qui rentrent dans le bureau en me prenant d'entrée de jeu à partie, même en criant comme ça, en étant très agressif, moi, je les prends sur le même ton, hein. Tu veux jouer à ça? Alors attention, parce que si tu vas sur le ton de l'agressivité, il n'y a pas de souci, mais tu vas me trouver. Déjà, tu vas t'asseoir, puis tu vas me parler sur un autre ton. Déjà, alors, ça va commencer comme ça. Vous voyez, je suis agressive. Et l'autre, oui, mais non, tu t'assois immédiatement. Tu fais ce que je te dis, sinon tu sors de mon bureau. Vous voyez, je reste dans l'agressivité. Et on va aller dire, on va tout de suite aller exprimer son besoin et sa volonté. Hein. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Je t'interdis de me parler comme ça. D'accord? Ça, ce n'est pas communiqué. OK? Et derrière, tout de suite, dès que l'autre s'est calmé, bon, bah maintenant, on va peut-être pouvoir parler. Tout de suite, il faut reprendre le dessus dans l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est être capable de franchir, c'est-à-dire on porte son message, on porte sa voix, on porte au jeu, dans une posture d'écoute. La posture d'écoute et d'ouverture, c'est la posture intérieure qui nous amène à avoir les bras ouverts. Voilà. Intérieurement, on est ouvert, c'est-à-dire que je suis d'accord pour donner de moi à l'autre et je suis d'accord une fois que j'ai fait preuve de franchise bienveillante. Je ne veux pas faire de mal, mais je dis ce que je pense. Je suis d'accord pour avoir la réponse de l'autre et notamment sa réponse émotionnelle. D'accord ? Là, aujourd'hui, il faut absolument que je te parle de quelque chose par rapport au travail. Je trouve qu'il y a un dérapage ces derniers temps. J'ai plusieurs faits à évoquer, mais je voulais déjà te dire le fond de ma pensée. Il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans ta manière de faire au niveau comportemental. Et moi, ça commence à m'atteindre, y compris personnellement et aussi professionnellement. D'accord ? On dit à l'autre ce qui ne va pas et on attend que l'autre nous dise... Bah oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. En fait, j'ai un problème, je ne t'en ai pas parlé. Moi, je me sens seule ou quoi que ce soit, etc. Et on continue sa discussion, on la construit. OK ? C'est comme ça qu'on fait. D'accord ? On évite quand même, j'ai dit, on peut utiliser l'agressivité, c'est vraiment par touche. Hein. C'est des touches, l'agressivité, et c'est surtout quand on se fait agresser. Et on utilise l'agressivité en communication managériale uniquement pour recadrer sur ça, je te l'interdis. D'accord ? Sinon, le reste du temps, il n'y a pas d'agressivité au niveau managérial. Privilégiez la fuite. Si vous n'arrivez pas à être assertif, privilégiez la fuite. Et on a le droit de dire à un de ses collaborateurs, écoute Charlie, je suis tellement en colère par rapport à ce qui s'est passé, je ne peux pas communiquer avec toi. Laisse-moi un peu de temps. Dès que je vais mieux, je t'en reparle. Grégoire, tu as disparu. Je ne sais pas si tu es là ou pas. Flo, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais je ne te vois plus. Tu m'entends, Florence ? Oui, je t'entends, mais je ne te vois plus.
Il y a, non, ok. Il y a Martine qui avait partagé dans les questions. Et Martine, j'avais bien eu votre question. Et Ouais. là, je rebondis parce qu'on est à chaud. Elle ne partage pas justement l'agressivité Oui. versus agressivité. Elle dit face à de l'agressivité, on Ouais. tente d'abord la formule assertive. C'est son point de vue. Vous pouvez, mais bien sûr, Martine. Alors, en fait, on n'est pas. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un slide plus loin, Martine, qui dit que la communication, c'est pas un jeu où on cherche à avoir raison. Moi, je ne cherche pas à avoir raison, Martine. J'ai pas de sujet. Si vous êtes capable, face à quelqu'un d'agressif, d'être dans l'assertivité, c'est merveilleux. C'est vraiment parfait. Vous êtes incroyable. C'est génial. Et évidemment, on tente. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que face à l'agressivité, la réponse assertive, il n'y a qu'une très petite partie de la catégorie de la population managériale qui est capable de l'avoir, cette réponse assertive face à de l'agressivité. Et si c'est votre cas, c'est fantastique. C'est vraiment, je peux que vous dire ça. En revanche, il ne faut pas aller culpabiliser les gens. Moi, le nombre de fois où on est entré dans mon bureau en m'agressant, ben, moi, je suis désolée, mais je n'arrive pas à être assertive. D'abord, tu te calmes, tu t'assois. Et si tu veux jouer à qui est le plus fort, ben, je vais te montrer que le plus fort, c'est moi. Si c'est ça, du coup, le truc. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que d'abord, je passe par là, et puis après, je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais ce côté où moi je me sens agressée et où je vais te faire cette réponse-là, on peut se l'accorder. J'étais pas en train de dire, peut-être je me suis mal exprimée, j'étais pas en train de dire c'est ça qu'il faut faire. J'étais en train de dire c'est acceptable. Et j'étais en train de dire ça parce que dans les quatre styles de communication, bah oui, on va vous dire faut être assertif, faut être assertif, faut être assertif. Moi, Martine, ce que j'ai envie de vous dire, bah, vous faites aussi comme vous pouvez. D'accord? Et le il faut, il y en a un peu marre quand même de ça. À un moment donné, on fait quand même que ce qu'on peut. Et si c'est fuir la communication parce qu'on n'est pas capable de l'avoir, ben fuyez. Si c'est dissimuler parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas complètement à porter votre message, ben dissimulez puis essayez plus tard d'être un peu plus franc. Si c'est être agressif parce qu'à un moment donné, là, il y en a marre et là, je suis pas d'accord, eh ben on a aussi le droit de le dire. En revanche, comme je l'ai dit, ce style-là, ça ne peut pas être un style prédominant par rapport au reste. Ça peut être un style en touche, sporadique. Mais il ne faut pas dire, faut pas être agressif dans le boulot. Bah, je suis désolée, il y a plein de fois où il y a plein de fois où on n'arrive pas à faire autrement. Voilà, c'était tout. L'escalade de l'agressivité peut rompre toute réelle communication, pas facile à gérer. Alors, merci Michael, merci Martine. Je rappelle, j'ai encore un tout petit peu de temps. J'ai une heure pour vous balayer la communication. Tout ce que je vous dis, ça c'est un schéma. La communication, c'est quelque chose de très subtil, de très nuancé, qu'on sent. C'est aussi très instinctif, c'est aussi très intuitif. On peut être à un moment donné très du tac au tac. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, j'ai ce tempérament-là, d'accord? Par exemple, il y a des gens, ils ne sont pas du tout dans l'agressivité. Moi, je suis capable de l'être. Je suis capable d'être frontal. Et avec quelqu'un qui est capable d'être comme moi, d'être frontal, eh ben, on peut même bien aimer ça de temps en temps. On ne va pas s'interdire quand même des choses. On va se dire, bah, on peut essayer de mieux faire. D'accord? Mais faut aussi respecter qui on est, faut aussi respecter les gens comme ils sont. Vous savez, l'agressivité, souvent, il y a des gens, ils sont en réunion et ce sont ils sont contre tout. Alors, ils sont agressifs et ils râlent. Et alors, ces gens-là, on ne les aime pas en général. Eh ben, moi, je les aime. Moi, j'aime qu'ils râlent. J'aime même qu'ils soient un peu agressifs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, souvent, ce sont des gens qui ont une vision. Et qui ont une vision bien différente de celle des autres. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas dans le conformisme. Et souvent, ce sont des gens qu'il faut écouter. Et il y a quelque chose dans le travail. Et notamment les gens qui ont cette capacité de vision. Je vais faire une vidéo très certainement là-dessus. Ils sont souvent pas écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours un train d'avance sur les autres. Et ils sont très énervés de ça. Ils sont très énervés. Ils voient des choses pour eux, c'est gros comme une maison et on ne les écoute pas. Ils essayent de donner des alertes, de dire, mais là, on va dans le mur, les gars, on va dans le mur et on ne les écoute pas. Et souvent, il y a des gens qui sont agressifs en réunion et ayez la gentillesse de les écouter, ces gens-là. Et c'est OK d'être agressif. Si tu n'arrives pas à porter ton message autrement, bah écoute, moi je suis d'accord pour que tu sois agressif à ce moment-là.
faut arrêter de culpabiliser les gens. Le conflit, l'agressivité, ça reste du lien, ça reste une volonté d'être avec l'autre. C'est ça la communication. Hein, il faut arrêter avec les schémas qui sont parfaits. Je l'ai mis avant. Il faut arrêter avec la perfection dans la communication. Hein, on a merci notre pour la réponse à Martine. Top. Et il y avait Caroline pour rebondir qui disait pour finir cette discussion et que tu puisses passer tes deux, trois derniers slides. Si l'interlocuteur est son directeur qui prône la transparence mais ne l'applique jamais. Ah oui. Ben, on va pouvoir le dire éventuellement. Vous avez le droit. Alors. Quand on est dans une relation hiérarchique avec quelqu'un, on va se sentir limité dans sa communication. Alors faites attention déjà aux personnalités toxiques. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit en premier. On n'applique pas ces principes de communication avec les personnes toxiques. D'accord ? Après, prenez la transparence et ne pas réussir à l'être. Ben, on est un peu tous comme ça. Si on réfléchit bien, on a tous un peu de mal à dire la vérité. Il y a très, très peu de gens, je vais vous dire, hein, je connais une personne qui est comme ça parfaitement, c'est Christelle de Foucault. Vous pouvez vous abonner, hein, il n'y a pas de doute. Christelle, elle est incroyable, elle m'apprend énormément dans sa posture. Je dois en connaître encore deux, trois autres qui sont comme ça, mais il y a très, très peu de gens qui sont capables de faire preuve de transparence. Hein, c'est très, très rare, d'accord ? Et si on a un manager comme ça, si ce n'est pas un manager toxique, eh ben, on va pouvoir lui dire, tu sais Gaston, tu dis souvent qu'il faut être transparent, mais moi, j'ai l'impression parfois que tu me caches des choses et que tu n'oses pas me dire des choses et qu'il y a des messages que tu n'oses pas porter. Et j'aimerais bien que tu te sentes libre, même si tu es mon manager, de me les dire parce que j'ai envie de les écouter. Voilà. On va aider les autres. Ce n'est pas parce que c'est votre manager qui sait tout et ce n'est pas parce que vous êtes manager que vous savez tout. Et on peut aider son manager. Okay. En préparant cette masterclass, tu m'avais filé une métaphore qui était celle de la table entre deux interlocuteurs que j'aimais beaucoup. Oui. Si tu peux la partager, je trouve qu'elle est pas mal pour se rappeler ça. Alors, je l'ai piqué à Oriane Caron qui me l'a elle-même retranscrit d'un de ses professeurs dont je n'ai pas le nom. En fait, l'idée, c'est de se dire que dans la communication, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on ne va pas aller le projeter sur l'autre. D'accord ? Son message, on va imaginer que visuellement, on a une table entre nous et que ce qu'on va dire, on va le poser sur la table et on va demander à l'autre de regarder ce qu'on a posé sur la table. Parce que quand on a un message difficile à porter, eh ben, on peut avoir tendance parfois à le dire vite ou le dire brutalement et on va juste pouvoir dire, et notamment quand on est manager, un collaborateur, écoute-moi, voilà ce que j'ai observé. Je le pose sur la table, ça on va le dire, je le pose sur la table, regarde ce que je te dis, regarde les faits que j'ai à apporter, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi toi comment tu as vécu la situation. Voilà, avoir une approche beaucoup plus douce en fait et permettre à l'autre de prendre du recul dans, dans ce qu'on lui dit. Il nous reste 5 petites minutes, Florence. Si l'autre est fermé, je l'ai dit, hein, j'ai déjà répondu à cette question. Bon, ça, j'ai déjà dit. Donc, le mot de la fin, c'est parti. Christelle est effectivement, oui, à suivre sur LinkedIn, tout à fait. Je vous en prie, soyez indulgents avec vous, soyez indulgents avec les autres. La communication, c'est une activité qui est exigeante d'un point de vue humain. C'est une activité qui est difficile. On l'a dit, c'est une activité qui est émotionnelle et on n'est pas parfait. Donc, vous ne l'êtes pas. Les autres ne le sont pas et tout va bien, c'est génial. Dans la communication, cherchez à être avec l'autre. Évitez, moi je travaille énormément ces derniers mois là-dessus, ne cherchez pas à avoir raison, mettez votre ego de côté. Les guerres d'opinion, ça ne sert à rien. Personne ne gagne. Personne ne gagne à avoir raison. Une fois qu'on a raison, ça nous fait une belle jambe. On n'a rien construit quand on a raison. Voilà. On est gagnant. Quand quelqu'un a raison, il y a deux perdants. Et celui qui a raison et celui qui a tort. Voilà. On n'a rien gagné dans la communication. On ne gagne dans la communication que lorsque les deux se sentent bien. Voilà. Et on se sent bien quand on n'est pas dans une relation de pouvoir. Vouloir avoir raison, c'est une relation de pouvoir, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que je proposais aussi ? Je propose une formule, parler au jeu.
commencez vos phrases par jeu, le tu-tu, on le dit, je ne l'ai pas écrit, mais le tu-tu, on parle au jeu, on parle de soi, et parler au jeu, c'est être en capacité d'exprimer d'abord son besoin et de dire véritablement les choses. Et quand je dis dévoiler votre jeu, c'est si vous avez quelque chose de difficile à dire à l'autre, mais quelque chose de difficile, ce n'est pas forcément un problème. Moi, j'ai du mal à faire des compliments, par exemple. J'ai du mal à dire à Oriane, elle est là, que je l'adore, que j'aime travailler avec elle. Voyez, regardez, je suis en train de me dire, je sais qu'elle m'écoute, j'ai les larmes qui viennent aux yeux. Bah oui, ma chérie. Donc, parce que c'est difficile pour moi d'être dans cette émotion, dans ce positivisme, etc. Ça m'émeut beaucoup. Et du coup, bah, j'ai du mal à dire à ce que je pense, alors même que c'est très positif. Alors, quand je dis dévoiler votre jeu, ben on va dire à l'autre, tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est difficile pour moi, je te prie de m'excuser par avance si je suis pleine d'émotions, mais j'adore travailler avec toi et je te remercie. Voilà. Et vous voyez, quand on l'a dit, ben, ça nous permet de prendre de la distance. Et c'est vrai avec d'autres émotions qui sont plus difficiles à dire. Ce que je te propose, Florence, c'est qu'on prenne deux, trois questions. Il nous reste 4 minutes. Oui. Je plaisante pas. Hein. Mais la sincérité et l'authenticité étaient mises dans l'introduction. On y est. Tu dis on peut toujours progresser en communication et au-delà des petits modules de la connaissance des principes importants, en pratique, comment faire ? En pratique, comment faire ? Eh bien, là, par exemple, je vous ai proposé quand même plusieurs tips, plusieurs pratiques. Il y a quelque chose, forcément, c'est Aude qui demande ça. Oui. Aude, il y a forcément quelque chose qui vous parle. Eh bien, ce qui vous parle, c'est ce par quoi il faut commencer. Et commencez par la plus petite chose que vous pouvez faire, celle que vous pouvez appliquer dès cet après-midi, celle qui est simple. C'est mieux de commencer par quelque chose qui est simple en communication. Entraînez-vous à faire cette nouvelle chose qui est simple pour vous, qui vous semble le plus simple, dans le contexte le plus favorable pour vous. Si c'est dans votre vie privée, ben entraînez-vous dans votre vie privée. Si c'est dans votre vie professionnelle, entraînez-vous dans votre vie professionnelle. Et si c'est avec votre boucher, ben faites-le avec le boucher. D'accord ? Si vous avez envie de dire un truc hyper sympa au boucher, que vous n'arrivez pas à lui dire depuis longtemps, mais vraiment, sa viande, elle est vraiment exceptionnelle, hein, c'est incroyable, à chaque fois que vous passez dans sa boucherie, vous êtes contente, et ben entraînez-vous, dites-lui. Hein ? On choisit de s'entraîner. Il y a Ghislaine qui nous demandait en début de masterclass comment aider un manager qui n'ose pas dire à un collaborateur qu'il n'a pas le niveau. Alors là, souvent, il faut aller chercher la racine profonde, plus profonde de pourquoi tu n'oses pas le dire. Et souvent, les gens n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de faire du mal. Dites-vous bien une chose quand vous êtes manager, ne pas dire. Quand on ne dit pas quelque chose à son collaborateur, c'est là où on lui fait le plus de mal. Parce qu'on ne donne pas la possibilité à l'autre de progresser. Quand on est manager, on a ce regard extérieur, on voit l'autre et parfois on voit l'autre se diriger tout droit vers le mur à 180. Et lui dire, eh bien, c'est lui permettre de freiner, de s'arrêter, de ralentir et de changer de direction. Et là, à ce moment-là, bah, c'est pareil, on peut l'accompagner, on va peut-être l'entraîner. Et l'entraîner, c'est très simple. Alors, qui posait la question ? Moi, j'aime bien les prénoms, excusez-moi. Ghislaine, vous allez pouvoir aider votre manager en disant, bah, voilà, on va s'entraîner tous les deux ensemble. Alors, dis la chose suivante. Donc, hein, on simule la situation. Alors, vous dites, je te remercie d'être présent à cet entretien, j'ai quelque chose à te dire et c'est difficile pour moi de le dire parce que je n'aime pas dire lorsque les gens font quelque chose qui me semble ne pas aller bien. Néanmoins, je te le dis parce que je pense qu'il est très important que tu corriges ton comportement au travail. Ce que j'ai pu observer, c'est que dans telle situation, tu appliques telle solution et ça, ce n'est pas une bonne chose pour l'équipe, pour toi, pour le boulot, pour l'entreprise, peu importe. Et en fait, dans telle situation, il est préférable d'opter pour telle solution. Et là, maintenant, je veux bien que tu me dises ce que tu en penses et voilà ce que tu penses de ce que je t'ai dit. Et éventuellement, si je peux t'aider davantage, je suis évidemment prêt à le faire. Et on va dire aux gens, entraîne-toi à dire ça. Voilà, tout simplement. Top. On va s'entraîner. Merci beaucoup. Il est midi 45. Voilà. Ce que je vous propose, alors,
Dans le sondage, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, si vous souhaitez participer à un atelier de coaching collaboratif, vous êtes plus que bienvenus. Et après, comme promis, dans le chat, si vous avez la gentillesse, pour ceux qui le souhaitent, de mettre la chose que vous allez faire dès cet après-midi, votre micro-changement pour Florence. Sandrine qui me dit « Le plus dur, c'est d'appliquer vos conseils. » Sandrine, appliquez un conseil. Ne les appliquez pas tous à la fois. Un chemin de 1000 lieues, hein, la Haute-Sœur le dit, commence par un premier pas. Faites juste un pas. Ne vous mettez pas la pression. Faites juste un pas, une chose. Voilà. Alors, si vous avez la gentillesse de nous mettre, il est 46 en une minute. Si vous souhaitez le mettre, ce que vous allez faire, il y a beaucoup de merci. Bon, en merci tout cas, notez-le vous. C'est ce qu'on s'était dit. Prochaine masterclass donc le mois prochain avec Erwan Deves, qui est neuropsychologue, sur comment fonctionne notre cerveau quand on est manager pour mieux accompagner son équipe. Passionnant. Ça va être très, très chouette. Florence, il nous reste à te remercier. Merci. Un grand, grand merci pour tous ces conseils. Merci à très bientôt. Prenez soin de vous. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à vous tous. C'était génial. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.